Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va très bien, voilà, je suis en forme. Et oui, je ne m'arrête pas, je suis de retour, les menaces ne me font pas peur, comme c'est dommage. Bon bref, passons. On va faire un petit tirage pour voir les énergies du week-end, d'accord? Voilà. Alors, pour ceux qui ont dit que j'avais faux dans le confinement, ben non, je suis pas faux. Déjà, c'est Macron qui devait parler. Il a envoyé son ministre, hein, voilà. Et oui, il nous a bien parlé de confinement. Seulement, ils n'ont pas le courage de nous confiner, d'accord? Bah, il va laisser faire le travail par les maires et les députés, d'accord? Bon. Donc, attendons, voyons voir, hein, d'accord? Et puis voilà, on en reparlera après, ok? C'est le mieux qu'il a fait. Voilà. Alors, que pouvez-vous nous dire sur les énergies de ce week-end, hein, 12 et 13 septembre? Dans le pays, voilà. Alors, on nous parle de délivrance. Regardez, délivrance et de décision. Voilà, il est temps de se bouger. Vous voyez, c'est marqué dessus. Hein, voilà, je vous laisse lire. Prise de décision pour notre avenir. Hein, d'accord? On prend conscience de notre potentiel et on a la désobéissance. Vous voyez? Voilà. Alors, il y a un homme âgé, 60 ans et plus. Voilà. Vol, perte, hein. Abus de confiance, escroquerie, manipulation, tromperie, perte, détournement, voilà, d'accord? Un homme âgé, ok? Bon, on a les secours, hein, secours, ok? Voilà, donc vous comprenez bien que ça va barder, voilà. Puis ouais, cheveux là, parce que comme ça va faire parler encore les bégueules. Les bégueules, elles ont toujours quelque chose à dire. N'est-ce pas? Ah, mais regardez, les énergies du week-end, il y a les manifestants qui tombent. Bon, exactement. Hein. Donc ça va manifester partout, à mon avis. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder. Les manifestants, tout ça, les chaînes, voilà, qui font des vidéos directes, hein, parce que vous savez, je suis en plein couscous, alors bon, voilà, c'est du travail. Hein. Alors, regardez, il y a du danger, il hein, faudra faire attention. Hein, si vous êtes dans les manifestations, faites attention. Et si vous avez des amis de la famille qui y est, bon, dites-leur de faire attention, d'accord? Donc, on a. Le gui, donc c'est les soins, hein, d'accord? Donc vous comprenez qu'avec le danger, les soins, bon, hein, je vais pas. Voilà. Alors, il y a l'addiction, perte de contrôle de sa vie, hein, d'accord? Voilà. Donc fais attention, hein. Et on a le jardin. Donc, amis fidèles, relations sociales, publiques, hein. Donc voilà, vous manifestez, bien sûr. Les lieux publics. Bon, que pouvez-vous nous dire pour ce week-end du 12 et 13 septembre, s'il vous plaît? Alors, on a les oiseaux, donc on va apprendre quelque chose, d'accord? Voilà, ok, bon, on va avoir des nouvelles. Ah, et comme la carte d'à côté, vous voyez, j'essaye de vous laisser lire le temps de lire. Regardez tout en bas. Si la carte qui l'entoure n'est pas bonne, voilà. Donc, les oiseaux, vous avez vu, voilà, il y a du danger, ok, donc c'est pas une carte positive. Et à côté, on a l'envoûtement, hein, la destruction, les blocages, tout ça, d'accord? Donc, vous voyez que c'est pas du tout positif. Voilà. Donc, bah, j'ai entendu parler qu'il y en avait déjà qui avaient interdit les manifestations, hein, donc c'est ça, hein, les blocages, d'accord? Alors, il y a les épreuves, attention, hein, il y a un challenge, compétition, événement, mise à l'épreuve. Hein. Voilà, d'accord?
Donc ça, ben, j'ai entendu quand même, parce qu'en faisant mon couscous, je mets la musique, hein, donc c'était la radio, et il y avait déjà 120 arrestations, je crois, à midi. Bon, bref. Donc il y a le bateau, vous voyez le bateau. Donc là, c'est contact avec l'étranger, tout ça, bon, c'est possible, ok, mais ça veut dire que ça bouge un peu partout, hein. Donc des manifestations, il y en aura partout. Alors, on a le champ, hein. On travaille sur un projet, d'accord? Par contre, comme les cartes à côté sont négatives, il faut s'attendre à des choses négatives, d'accord? Voilà. On a l'infortune, hein, malheur, manque de chance, voilà. OK, le chagrin, hein. Donc, je vous dis, faites bien attention parce que, voilà. Et on a encore le vol-perte, hein, sur les épreuves, d'accord? Donc, les épreuves, challenge, compétition, tout ça, on a vol-perte, hein. D'accord? Donc, perte de contrôle de sa vie, non. Escroquerie et manipulation, entre compris, hein. Perte, détournement, abus de confiance, voilà, d'accord? Bon. Donc, sur les épreuves. Et on a la compassion. Donc la pitié, l'empathie, voilà, d'accord? Donc, la sensibilité aussi, vous voyez? Donc, ça va être un week-end très chaud, d'accord? Et, en même temps, il y en a qui vont sympathiser, hein, d'accord? Voilà. Et vous voyez, on a voilà, le mariage, l'union, hein, donc on va s'associer à quelqu'un peut-être, d'accord? Par contre, attention, hein, incendie, voilà, force, hein, et destruction sur l'infortune. D'ailleurs, j'ai oublié de vous baisser sur les cartes, hein, faut vraiment faire ça quand même. Oh. Voilà. Ah ben merde, je retourne la quatrième avant. Bon, il y a le serpent, hein, donc trahison, mensonge, jalousie, méchanceté gratuite, hein, vous voyez. Donc attention, hein, parce que voilà. Mais tout ça, c'est gardé en silence, hein, pour l'instant. D'accord, c'est le mystère. Hein. Bon, je tire encore une carte comme ça de chaque, et puis après, on regardera avec un autre jeu. Hein. Voilà. Comme d'habitude, hein, vous savez comment ça marche. Bon, il y a la croix, hein, vous voyez la fin d'une époque, la fin de quelque chose. Hein. Bon, la croix. Voilà. On a le jeune homme. Alors, on a les vaccins. On va nous mentir sur le vaccin. Hein, c'est sur le serpent. Et puis on a la justice, hein, donc voilà, il va y avoir beaucoup d'arrestations, ça, mais voilà, c'est tenu en silence, hein. Bien sûr, ce n'est qu'un tirage de cartes, hein, je n'arrête pas de le dire, d'accord? Et comme on a des merdiers menteurs, eh bien, peut-être que vous n'allez pas apprendre tout ce que je vous dis. Peut-être que je vais me tromper, hein, comme d'habitude, vous savez bien. Allez, que pouvez-vous nous dire pour les énergies de ce week-end, s'il vous plaît? Alors, on a le magnétisme et la santé. Voilà. Les discussions. Et les dons artistiques, voilà. Donc attention à, comment je pourrais dire, les tests, c'est pas, hein, bon, je ne dis plus rien parce que, bon, il y a la fête et la chance. Donc il y en a certains qui vont passer, voilà. Mais vous voyez, attention, si on s'éloigne, ben voilà, il y a le danger, hein. Ok? Alors.
que pouvez-vous nous dire pour les énergies de ce week-end? Alors, on a la fête. Sur la croix, hein, sur la fin de quelque chose, d'accord? La brune. La brune sur le jeune homme. Peut-être des ministres, hein, je sais pas. On a la santé, et ça c'est sur les vaccins, vous voyez. Donc ça parle peut-être de tests, hein. Voilà, ceux qui vont se faire arrêter vont peut-être être obligés de faire des tests, hein, voilà. Et tout ça, voilà, hein, c'est pour une question d'argent, d'accord? Les arrestations, bien sûr, c'est tombé. Alors, on a, mais bon, vous voyez, on fait la fête parce que voilà, on va être protégé, hein. On va être protégé. Il y a la femme âgée, donc vous voyez, il y a beaucoup de monde en fait. Ou alors ça, c'est tous les manifestants, hein, vous voyez, voilà. C'est, on est rassemblés quand même. Hein. On a pu, on n'est pas confiné, donc voilà. On va apprendre des nouvelles. Encore une fois sur la santé et sur les vaccins, hein. D'accord. Mais il ne faudra pas oublier. Que ce sera que des mensonges. Voilà. Et on a le feu. Hein. Cette histoire de fric, là, voilà, ça va mettre le feu aux poudres. Hein. Bon, vous avez vu, c'est pas un tirage sur les manifestants hein, du tout. Hein. C'est un tirage sur les énergies du week-end. Okay. Donc, je tiens quand même à le préciser. Hein, voilà. Alors, que pouvez-vous nous dire sur les énergies du week-end? Vous voyez, il y a l'hôpital, hein, le corps médical, tout ça, et la femme, d'accord? Donc, les femmes, il faut faire attention quand même, hein, ou alors des infirmières qui vont dévoiler quelque chose, ou des doctoresses, hein, parce que c'est la femme, d'accord? En tout cas, regardez, il y a des nuages, hein, donc une mauvaise nouvelle. Voilà. Il y a la séparation, la mésentente, la, voilà, donc ça c'est peut-être avec Bigard. Hein, voilà. Voilà, il faut rester mature hein, pour avoir des bonnes nouvelles. Et il va y avoir, voilà, vous voyez, de la perturbation, de l'agitation, de l'orage, hein, à cause de l'incohérence, et c'est rapidement, hein, ça arrive très rapidement. Voilà. Donc, en fait, il faut rester, rester positif. Alors, que pouvez-vous nous dire pour les énergies du week-end? Ah. Il y a des personnes âgées, hein. Fragilité, d'accord? Voilà. La ruine, hein, l'effondrement, la mauvaise gestion et le déménagement, quitter. Donc, peut-être un ministre d'un certain âge qui s'en va, hein, peut-être. D'accord? C'est la ruine pour lui. Hein. Bon, peut-être qu'il n'a pas dévoilé ce qu'il devait dévoiler hier. Hein. 8 minutes pour un peuple, ça fait très peu. Hein. Bon, bref. Alors, on a l'automne. Hein. Septembre à décembre, et c'est la perte. D'accord? Il y a la juge, hein, les procès. D'accord? Les audiences, c'est quelque chose d'incontrôlable. De septembre à décembre, ça va être incontrôlable. On a les transports. Donc, on a l'enterrement, la mort, la faim, la perte. D'accord? Donc, les transports, c'est bouger. Hein? Voilà. D'accord? Et on a l'infidélité, le manque de respect, la trahison, les mensonges. Les manigances, voici, et on a l'obligation, donc les contraintes, les devoirs, les responsabilités, aussi. J'espère que vous voyez bien. Voilà, bon. Alors, que pouvez-vous nous dire pour les énergies de ce week-end?
Alors, on a les enfants. Bon, ça peut être la joie, le bonheur, mais attention, ça peut parler des enfants aussi. Hein. Où on va protéger les enfants. Vous voyez, on a la protection. Et dessus, on tire les enfants. D'accord? On va protéger les enfants. Donc, on se bat peut-être pour protéger les enfants. Bon, on a l'ennemi, hein. Mauvais coup, l'arnaque. Hein. D'accord? Le poison. La drogue, les médicaments. Et on a les cœurs, hein, l'amour, les sentiments. Voilà, sur le feu. Donc, ce qui veut dire que, voilà, hein, on défend peut-être notre pays. Hein. Voilà. Alors, on a les amis, hein, l'aide, l'entraide, voilà. On a la renaissance. On va renaître. La famille, l'amour, l'entente, la complicité. Vous voyez, on va être tous complices, voilà, pour manifester, à mon avis. Et vous voyez, le déni, hein, ils sont jamais responsables, voilà, hein. Donc c'est bien ce que je dis. On va laisser le rôle au maire et aux députés. C'est tellement plus facile comme ça que voilà. Pourquoi faire autrement? Allez, que pouvez-vous nous dire pour les énergies de ce week-end, s'il vous plaît, du 12 et 13 septembre 2020? Voilà. Alors, celle-ci, elle voulait venir. La guérison. Que pouvez-vous nous dire pour les énergies du 12 et 13 septembre? Alors, on a se remettre en question, hein, et il faut laisser le passé de côté. Voilà. Donc, alors, je vais tirer trois cartes, hein, parce qu'il y en a une qui est déjà tombée, d'accord? Les énergies sont négatives ce week-end. Hein. Il faut lâcher prise. Voilà. Faut avancer et évoluer. Voilà. Allez. Alors, que pouvez-vous nous dire sur les énergies de ce week-end? Les énergies de ce week-end du 12 et 13 septembre. Vous voyez, on nous parle encore de science médecine, hein, les accords, les solutions, d'accord? Encore, hein, c'est toujours, voilà. Alors, l'union rencontre et l'opposition. Alors, création, voilà, art, hein, les amis, d'accord? Donc, on est peut-être en train de s'unir, hein, voilà, vous voyez, c'est en création. Dire pour les énergies de ce week-end, le 12 et 13 septembre. Ah, regardez, celle-là, elle est retournée. Trahison, méfiance, vous voyez, mensonge. Donc, bah, je la laisse de côté, celle-là, hein, parce qu'elle est comme elle était retournée, je ne triche pas. Moi, après, ce que je vous dis, c'est parce que les cartes se sortent comme ça. Hein. D'accord? Alors, il y a le choix. Hein. Il y a le silence, le repos, mystère, voilà. Hein. Le retour, le renouveau. Et l'intelligence, hein, des rusés. D'accord? Alors, que pouvez-vous nous dire pour les énergies de ce week-end? Alors, vous voyez, voilà, il y a le choix, dualité adversaire. Hein. Et à l'automne, sur silence, repos, secret, mystère, hein, voilà, automne, on a l'Élysée, attention, hein, retour, renouveau, l'Élysée.
Donc, quelqu'un qui revient peut-être à l'Élysée. Bon, on a vu, hein, Castagnette est revenu. Et voilà, il y a la séparation, les départs. Hein. Donc, peut-être que, voilà, Castagnette, il va se montrer. Hein. Alors, que pouvez-vous nous dire pour les énergies du 12 au 13 septembre, les énergies de ce week-end, le 12 et 13 septembre, voilà. Alors, on a les ciseaux, c'est utile. La rupture, l'inspiration, d'accord? Et le chaos, le changement, le choc, la ruine. Voilà, on a deux là. Voilà, d'accord? Donc, c'est quelque chose d'utile, le chaos. Alors, on a la main, l'ami, l'aider, atteindre son objectif, voilà. Donc, ben, ça doit parler des gilets jaunes, hein, voilà, qui se rassemblent et voilà. Par contre, attention, parce qu'il y a la toile d'araignée, d'accord? Donc, dans les distractions, donc distractions, moi, je parlerai des manifestations. Dès qu'on va être inattentif, ben, on va être piégé, hein. D'accord? Vous voyez, c'est marqué, hein, c'est pas moi qui le dis. Donc, il faut rester très attentif. Hein. Regardez, il y a le fou, d'accord? L'aventure, l'irréflexion, l'incertitude, d'accord? Ben, c'est la mort. Hein. Voilà, il va y avoir du changement, de la libération et le deuil. Hein. Voilà, d'accord? Alors, allez, on va tirer quelques cartes et puis après, on fera une ou deux cartes de la vie intérieure et puis après, on s'arrêtera parce qu'on m'a dit que mes vidéos étaient longues. Alors, bon, voilà. Énergies du 12 et 13 septembre, s'il vous plaît. Alors, voilà, bah, il y a encore le chaos, hein, le changement, le choc, la ruine, d'accord? Donc ça, ben, on est au courant, on sait. Hein. Alors, il y a la boussole, donc le voyage, les étapes, les directions, les déplacements. Voilà. Donc ça bouge, hein, d'accord? Voilà. Après, ben, peut-être que voilà, on va changer de direction. Hein, on va se déplacer. Et il y a le masque, hein, donc les secrets, les mystères, les illusions, d'accord? Donc on fait tomber les masques. Hein. Ou c'est masqué, voilà, hein, c'est bien ce que je disais, de toute façon, voilà. Mais voilà, il y a le balai, hein, le nettoyage, le nouveau départ, la volonté. D'accord? Donc on est volontaire pour que tout s'arrête. Il faut balayer tout ça. Hein, OK? Donc on n'est pas en fin de journée, hein, on ne sait pas comment ça va se passer. Moi, j'ai déjà pas pu regarder le début de journée comme ça. Bah, hein. Voilà. Alors, que pouvez-vous nous dire pour les énergies? 12 et 13 septembre, s'il vous plaît. Énergie 12 au 13 septembre. Alors, voilà. Hein. Il y a la vie amoureuse. Donc, ça doit être, vous voyez, on est, comment dire, on est rassemblés, hein, d'accord, dans l'amour, hein, pacifique, voilà, avec des figures d'autorité. Hein. Donc, ça, bah, voilà, les forces de l'ordre. Hein. Il y a l'homme et la femme. Vous voyez? Voilà. Et on a alimentation et faim. Voilà. Et voilà, pour la santé, on est protégé voilà, par les anges. Hein. Donc, tout ce qui est univers. Hein. Et vous voyez, voilà, regardez, il y a le navire. Donc ça bouge, hein. Ça bouge et on a la chevalerie. Donc même dans les forces de l'ordre, tout ça, pour moi, ça bouge.
Alors, les énergies du 12 et 13 septembre, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire? Bon, alors, on a l'emprisonnement, voilà. Ou l'esclavage, d'accord? Ben, ça, on a vu, hein, il y a déjà plusieurs arrêtés. Je vous dis, moi, la radio, j'ai entendu 100 et quelques à midi déjà. On a la phobie, hein, on a la phobie voilà, de l'emprisonnement, hein, quand même, c'est pas marrant. Hein. Alors, il y a mère, voilà, donc ça, à mon avis, c'est des mères hein, qui vont se faire arrêter, d'accord? Mais elles sont là pour protéger leurs enfants. Hein. Et, voilà, celtique. Hein? Donc, ben, faut faire attention ce week-end, hein, on sait que ça va être chaud. Voilà, donc faut rester attentionné, hein, voilà, ce qu'on peut dire. Bon, bah écoutez, on verra, hein, le week-end n'est pas terminé, il fait que de commencer. Donc, voilà, moi je vous fais des bisous, je ne sais pas, peut-être que je ferai un tirage cet après-midi, puisque de toute façon, le repas, c'est que pour ce soir, donc voilà, parce qu'il y en a qui sont sur la route, et il y en a qui sont au travail, donc c'est que ce soir, voilà. Donc tout va bien, pas de panique à bord. Voilà. Moi je vous fais des bisous, puis je vous dis, ben, passez un bon week-end, d'accord? Profitez de vos enfants, de vos petits-enfants, de la famille. Voilà. Des bisous.